je vais faire quand même bruit. Et après, on met ça, on mélange ça avec une bande de crème, comme tu utilises d'habitude, et les yamets. Et on fait la cure. Pour faire une masque hydratante. Ok. Ouais. Pour les cheveux, toujours. On est toujours dans un petit peu de cheveux là. Prenez note, le maïzena est aussi bon pour faire la masque du visage. Ça fait, c'est anti-rides et ça restaure aussi les pores, ça ferme les pores qui sont ouvertes pour les gens qui ont des problèmes de pores ouvertes. Là, on parle au côté peau. Souvenez-vous que le maïzena est un miracle pour votre visage. Ça vous donne une belle visage. Et si vous n'avez pas besoin d'aller faire le surgit plastique, parce que le maïzena remplace tout ce que Ça, c'est le maïzena. Voir comment ça fait. C'est solide. Voilà le maïzena. C'est déjà bien. On va ajouter maintenant le beurre de crème, un peu d'huile de coco. Essayez avec le yaourt naturel, sans sucre. Sans sucre. Maïzena, le maïzena que vous connaissez, maïzena, maïzena farine. C'est la farine de maïs. Voilà. Et voilà, yaourt en naturel, yaourt nature qu'on va utiliser. Donc, pour mélanger, y compris c'est pour plein de cheveux qu'on va utiliser. Une fois fait, mais pour le cheveu. Le bienfait de maïzena sur le cheveu et sur la peau, donc prenez note, ça hydrate, ça restaure, donc bonne hydratation pour le cheveu ainsi que pour la peau. Évite les rides. On ferme les pores de la peau, c'est miraculeux. À tantôt pour la suite, ou à tout à l'heure pour la suite si vous voulez. À tout à l'heure.